C'est professeur Mestouache, je suis le président de la Société algérienne de chirurgie gynéco. On a organisé cet événement depuis hier, donc le 1er et le 2 décembre. C'est notre quatrième congrès de la chirurgie gynécologique. Et nous avons fait des transmissions en live à partir des blocs opératoires du service de gynécologie obstétrique. Pour cela, tout d'abord, je dois remercier la directrice qui a franchement fait un effort considérable pour que ce congrès sur le plan live réussisse. Donc les thèmes, ça a été le cancer de l'endomètre, le cancer de l'ovaire et le placenta accreta et la chirurgie des prolapsus. Donc c'est réparti en deux sessions, une session chirurgie live le matin de 8 h à 13 h, et puis les après-midi, c'est des lectures concernant cette thématique. On a abordé ce sujet parce que c'est un sujet très pertinent, surtout concernant le placenta accreta, qui est une pathologie gravissime qui peut mettre en danger le pronostic maternel. Et cette pathologie assez grave, elle est en rapport, elle est liée directement au nombre de césariennes qui sont en nette augmentation. Donc le message qu'on veut donner, c'est qu'on doit réfléchir pour réduire cette prévalence des césariennes qui est élevée, qui est un facteur qui est responsable de ça, c'est le facteur médico-légal. Donc il faut qu'il y ait une concertation pluridisciplinaire. Il y a plusieurs personnes qui doivent intervenir pour manager et cadrer cette pathologie qui est très importante. On va récolter les mauvais résultats bien après la césarienne, pas pendant la césarienne. Donc voilà, et pour le reste, c'était le cancer de l'endomètre qui est assez fréquent et comment la prise en charge et surtout pour les femmes d'un âge au-delà de 50 ans qui souffrent de prolapsus et des incontinences urinaires. Donc on a abordé ce sujet, on l'a discuté en large, et puis nous avons effectué des interventions chirurgicales en collaboration avec des experts étrangers. Donc nous avons échangé nos expériences, on a transmis le message, et tout ceci dans le but de la formation médicale continue. Bon, ça c'est beaucoup plus ça rentre dans le cadre de l'enseignement des médecins chirurgiens gynécologues. C'est beaucoup plus ça, on transmet le message à ces personnes qui s'occupent de la femme pour les cadrer, leur donner des orientations. Tout ça rentre dans le cadre de la formation médicale continue. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens également à mon tour à remercier le professeur Mestouache et son équipe d'avoir invité de. Donc, il m'a été demandé de vous parler aujourd'hui de la prise en charge radicale du placenta accreta spectrum. C'est vrai que c'est un sujet d'actualité. Bon, traitement radical, bon, c'est une patate chaude là. Là, on est en train de parler, ça fait je dirais, quelques années, on va en parler de plus en plus. Pourquoi? Parce que ça est devenu le pain quotidien des chirurgiens. Vous savez une chose, que dans le mécanisme physiopathologique, on disait toujours que c'était un bras de fer entre la décidualisation, donc c'est l'endomètre qui luttait un peu de cette invasion de l'anidation. Et finalement, c'est l'anidation dans le placenta accreta qui a pris le dessus de la décidualisation et on a une pénétration un peu plus profonde. Moi, je dirais une chose, c'est un bras de fer entre la voie d'accouchement, la voie basse, la voie naturelle et la césarienne. Et actuellement, on est en train d'assister que la césarienne, elle a pris le dessus et c'est le bras de fer, il est gagné par la césarienne. Et aussi, pour une fois que le médecin en connaît l'étiologie. Parce que d'habitude, les médecins, quand on connaît, notre rôle, c'est de traiter l'étiologie.
On connaît l'étiologie, mais on la traite pas, malheureusement. Donc, du coup, ça fait quelques années que le nombre de césariens a flambé. C'est un fléau, c'est une épidémie, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et du coup, on est en train de récolter les placentas à Crète. Donc, comme je vais parler uniquement du traitement radical, donc en général, il y a les trois options thérapeutiques. Bien sûr, l'extirpative, on n'en parle plus. Donc, ce qui nous reste, le traitement radical et le traitement conservateur. Donc, comme c'est une journée de chirurgie, donc je ne vais pas trop vous encombrer avec la théorie. Donc, je vais essayer de vous présenter des schémas, des figures associées à des petites vidéos, des séquences vidéo. Là, bien sûr, pour la prise en charge, quand on fait la laparotomie, bien sûr, il faut avoir une échographie préalable pour voir l'insertion placentaire. Pourquoi ? Pour l'incision. On le sait, on doit éviter, on ne doit pas toucher le placenta. Je vais vous montrer après une vidéo. Et là, bien sûr, là, on est en train de palper, bien sûr, le signe du matelas. Donc, on repère le placenta et bien sûr, l'incision doit être loin du placenta. Donc, parce que si on fait une incision sur le placenta, c'est foutu. Là, c'est le risque hémorragique, vous allez voir. Et là, bien sûr, en général, également, j'ai mis cette vidéo-là parce qu'il ne faut pas faire une extraction, pas prendre le risque de faire une extraction céphalique. Il faut rechercher les pieds et essayer de retirer les bébés parce que si la tête elle est en bas, si vous risquez de tripoter trop, forcer un peu sur le placenta, vous risquez de le traumatiser et vous risquez d'avoir des saignements. L'idéal, il serait souhaitable de tirer les pieds. Là, je vais passer rapidement parce que là, une autre incision, là, vous allez voir, toujours dans notre service, là, quand on commence à faire l'incision, regardez l'introduction des ciseaux, regardez pour ouvrir la ponévrose. Et vous allez voir les conséquences. Donc, en général, quand on fait l'incision pour la ponévrose, c'est des abdomens cicatriciels. De préférence, il faut les faire à la vue. Juste une petite boutonnière en haut. Et ensuite, faire... Vous voyez que le saignement, on commence à voir un saignement en bas. Et vous allez voir, regardez, même l'introduction des ciseaux, c'est à l'aveuglette. Ça, c'est très dangereux. Pourquoi? Regardez la conséquence, la première introduction du ciseau. Il y avait le placenta antérieur, on a touché un vaisseau. Et vous allez voir comment ça va saigner. Le saignement, il a commencé bien sûr avant même l'extraction du bébé. Et là, c'est une perte sanguine. Si on parle de perte sanguine déjà, avant même l'intervention, regardez comment ça va pisser. Là, vous voyez le jet. On essaye d'arrêter le saignement avec de la coagulation est comme si c'était une lésion en bouche profonde, donc impossible de la coaguler parce que c'est une bouche. Donc on va essayer également regarder avec la coagulation. Donc là, c'est l'intérêt de ne pas faire ouvrir la ponévrose à l'aveuglette. Et là, regardez comment ça pisse, ça saigne. On va essayer également avec le feu, avec un point en X. Et le résultat, il est pareil, parce que le placenta, j'ai toujours dit que le placenta, c'est l'équivalent, c'est comme le sarcome. S'il y a des gens qui ont opéré les sarcomes, une fois que vous touchez, vous ne pouvez jamais assurer l'hémostase avec quels que soient les points. Donc, on essaie quand même de faire un X. Ça ne va pas régler le problème. C'est une perte de sang de plus. Donc, je passe rapidement. Donc, j'ai présenté des figures là pour les différents taux opératoire. Bien sûr, il faut ouvrir, bien sûr, on fait les utéro-ovariens parce qu'en général, c'est une chirurgie, bien sûr, conservatrice. Donc, on va ouvrir les utéro-ovariens rapidement. Qu'est-ce qu'on fait, nous? En général, c'est, on repère par transparence entre, donc, on va ligaturer, sectionner l'utéro-ovarien. C'est par transparence, on introduit les jonglifores. C'est à la main. Rapidement, c'est un temps réel. Là, la pince, il faut vérifier les pinces parce qu'il y a des pinces qui ne tiennent pas et qui risquent de sauter. Parce que, si vous savez, on utilise des pinces anciennes. Donc, on passe rapidement de l'autre côté. Vous allez voir, c'est juste à repérer la transparence du ligament large. Mais on peut perforer au doigt ou carrément avec la pince. On prend l'utéro-ovarien,
et on coupe. En général, bon, avec cette technique-là, ce procédé-là, l'hystérectomie se fait au bout de 5 à 10 minutes. Mais ça, comme c'est le cas d'un placenta parkéta, vous allez voir les difficultés après. Donc, comme une journée de chirurgie, j'ai préféré vous montrer ces. À la fin, on verra des recommandations avec une étude. Là, vous voyez le placenta, on passe rapidement. Deuxième, bien sûr, là, ce qu'il y a, on va essayer de tirer les marrons du feu. On va descendre en bas, la base du ligament large. Donc, on va essayer d'ouvrir pour repérer. Là, on est en train de faire la tunnelisation, ce qu'on fait d'habitude pour éviter l'ouverture de la vessie. C'est rapidement, ça prend quelques secondes à descendre en bas jusqu'au croisement. Donc, on va repérer les artères, l'uretère, l'artère ombilicale. On ouvre, commence à ouvrir, on entre. Et là, on tire sur le lombo. On ne fait pas de ligature des lombo-ovariens. Donc, on essaye d'ouvrir au maximum parce que le placenta, c'est un placenta qui est bien inséré, recouvrant. Donc, en général, il faut descendre plus bas. On a vu ce matin pour la cœlioscopie avec Dr Abrouz, qui vous a montré les espaces. On va les voir aussi également. C'est très, très intéressant. Il faut connaître. Et là, vous voyez la tunnelisation. Je vais passer la vidéo. Ensuite, la deuxième étape, c'est. Pardon, est-ce que c'est. Donc, repérer l'artère. Vous voyez là, c'est l'artère ombilicale, l'uretère. Là, c'est l'artère ombilicale. On voit l'artère utérine en bas et l'uretère. Là, c'est important de connaître, là, d'arriver à ce niveau-là. Parce qu'on va mettre les pinces. En général, on fait une seule prise pour l'artère utérine. Donc, c'est important de descendre en bas. D'avoir, de repérer l'uretère. Et pourquoi tout ça? Tout simplement parce que. Pardon. Est-ce que. Là, on va prendre les vaisseaux, l'artère utérine, presque, juste au-dessus. On ne fait pas de décroisement, on repère juste l'uretère. Et on fait la première prise, une seule, unique prise, juste au-dessus du croisement. Regardez, c'est bon. On n'a pas touché à la vessie. L'étape la plus importante, je dirais, pour le placenta parkéta, ce n'est pas l'hystérectomie. C'est pour éviter les lésions vésicales et surtout l'ouverture d'une vessie ou bien des atteintes urétérales. Les uretères, il faut disséquer en bas, il faut connaître les espaces, il faut ouvrir. Là, ce qui est important, ce que je fais, en général, on fait ce qu'on appelle une tunnelisation, on fait le décollement. D'habitude, quand on fait une hystérectomie, on fait le décollement. On l'a vu ce matin, hier, pour le prolapsus ou bien l'hystérectomie, on fait le décollement de haut en bas. Là, il faut au contraire, il faut rechercher le. On fait une ouverture en bas de la fosse paravésicale, d'accord, du côté du ligament cardinal, et on va essayer de faire une tunnelisation juste au-dessus du vagin, parce qu'il n'y a pas d'insertion, il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'insertion du placenta, et du coup, on peut décoller sans qu'il y ait risque. Regardez comment on fait, comment on procède. C'est la suite de tout à l'heure. Là, on travaille juste au-dessus de l'uretère et des vaisseaux iliaques. Donc, là, c'est lombo-ovarien. Il n'y a pas de ligature. Ça passe vite, hein? Regardez. Donc, on ouvre toujours au doigt. C'est la fosse paravésicale. On entre. Ça, c'est le ligament cardinal qu'on va couper après. Le feuillet cardinal, en cas de, pour le. Surtout quand il y a un placenta accreta ou placenta bien inséré, le ligament cardinal, il s'épaissit. D'accord? Donc, en général, on fait deux ou trois coupes. C'est pas comme ce matin, on a vu le professeur Mechtouach pour le ligament cardinal, il a fait une seule ligature. On obscitrie. Regardez ce que je suis en train de faire. On est en train de faire un décollement visico-vaginal et non pas visico-utérin. Parce que le décollement visico-utérin, bien sûr, il y a un placenta percreta, donc si on touche, on va ouvrir l'utérus et c'est bonjour les saignements. Ensuite, là, on va couper le ligament cardinal pour mieux avoir une vision du tunnel, parce qu'on doit descendre en plus bas par rapport, parce qu'on va palper, on va voir l'insertion, donc du coup, on est obligé de descendre plus bas pour faire la ligature. Là, c'est le ligament cardinal, on a vu que c'est
Là, presque, on a exposé les deux artères utérines, on les a ligaturées, on n'a pas sectionné. Ce qui nous reste là, c'est l'étape, la dernière étape, c'est quoi? Cette étape-là, c'est de séparer la vessie. D'accord? La vessie, elle est bien adhérée avec la critisation. Donc, on va essayer d'ouvrir la vessie avec, en général, vous allez voir, on va, c'est le procédé, donc on va remonter. Là, même si on risque de perforer ou de déchirer l'utérus, les deux artères utérines sont déjà ligaturées. Et c'est ça, donc on préfère ligaturer les deux artères utérines, d'accord, libérer le bas, donc c'est juste laisser le placenta à la fin. Donc le décollement, regardez, il se fait de bas en haut. Pour arriver à l'insertion, vous voyez l'insertion, toujours au doigt, on repère l'insertion, la limite de l'insertion, pardon, on coupe, et regardez ça, on commence à, presque l'utérus, il commence à, le placenta, il commence à apparaître, vous voyez. Donc imaginez si on a commencé le décollement de haut en bas avant qu'on arrive de sécuriser, je dis bien de sécuriser notre utérus avec la ligature des deux artères utérines. Bien sûr, on ne peut pas ligaturer les deux artères utérines sans passer par un décollement de la vessie et libérer par la crainte de ligaturer les urtères. C'est pour cette raison qu'on a commencé avec cette tunnelisation. Et là, on complète. Bon, on est un peu plus ou moins tranquille et on va faire descendre la vessie. Qu'est-ce qui nous reste à la fin? Tout simplement, on va faire les ligatures. Voilà, on expose. Regardez, la vessie, elle est bien tunnelisée. Donc, déjà, on avait les prises, on les a mises, les deux jambes, la jambe lui fort sur l'artère utérine. Avant, je dis bien avant, là, le décollement visico-vaginal. Donc, on coupe, on passe de l'autre côté rapidement. C'est en quelques secondes, c'est juste. Bien sûr, ça saigne. On va avancer, je ne vais pas trop. On passe de l'autre côté. On a déjà mis la première jambe lui fort sur l'artère utérine. Parce que la crainte, c'est quoi? Pourquoi on les ligature? Par crainte, si on ouvre l'utérus, il va saigner. Et du coup, déjà, on a pris les deux artères utérines parce que c'est le temps le plus important. Qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, on va passer. Donc, c'est juste. On passe. Et bien sûr, regardez. Quand on a sectionné, on commence à ouvrir le vagin, vous voyez que le placenta qui apparaît, vous voyez là, vous le voyez. Imaginez qu'on a commencé à faire le décollement avant qu'on accède aux deux artères utérines. C'était au début, quand on a commencé à opérer le placenta, bien sûr, on suivait un peu les étapes de l'hystérectomie, on commençait à décoller le placenta de haut en bas, et bien souvent on perforait l'utérus parce qu'on touchait le placenta, ça a commencé à saigner, pour arriver aux deux artères utérines, ça saigne le champ, et du coup donc on a un peu inversé la procédure, on décolle la vessie de bas en haut, en ligature, et ensuite on commence à couper. Et à la fin, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait là? On va suturer ce qui reste. Très bien. Donc, c'était des vidéos avec des figures, juste pour parler un peu de la technique. Et du coup, donc, pour ce qui est un peu radical, en général, comme vous le savez, on a dit qu'il y a plusieurs écoles, l'école américaine qui préfère de faire une hystérectomie après la césarienne. Les Français, ils préfèrent un peu l'abandon, par crainte exactement de soucis d'hémorragie. Nous, qu'est-ce qu'on a fait dans notre service? Donc, en général, donc, on n'a pas... On s'est mis des objectifs en fonction donc, du nombre d'enfants vivants, de la multiparité, le nombre de césariennes. Et du coup, donc, c'était un peu, notre décision était orientée en fonction de ces paramètres-là. Donc, avec une morbidité maternelle globale, quel que soit le traitement de 23%, 43% pour la césarienne versus 20% pour le traitement radical. Et les différentes lésions qu'on avait, bien sûr, c'était dominé par des saignements massifs. Donc, du coup, c'était les transfusions suivies par les plaies vésicales. Et rarement, à parts égales, entre les lésions urétérales et les plaies digestives. Donc, rapidement, une comparaison. C'est pas le but juste pour le traitement radical. C'est bien sûr les éléments pour, c'est le séjour qui est court parce qu'il suffit de sauter l'utérus. La malade, elle sera sortante. Comme une césarienne normale, et les éléments contre, c'est bien sûr la perte de la fertilité. Hier et ce matin, on parlait de sauter ou ne pas sauter l'utérus
pour le prolapsus, pour ce qui est fonctionnel. Là, on est en train de parler du pronostic vital. Et bien sûr, donc c'est la perte de la fertilité et bien sûr le risque de lésion vésicale. Donc, on est sorti bien sûr avec des recommandations, je dirais beaucoup plus des conseils, parce que souvent le risque des lésions urétérales, donc de préférence en général, il faut mettre des stents urétérales en préop et faire appel à des chirurgiens qui font souvent les tumeurs gynécologiques parce qu'on descend vraiment dans les espaces, l'espace paravésical, l'espace paramédian. Et du coup, il faut connaître bien l'anatomie pour ne pas léser les uretères. Souvent également, quand on termine le vagin, on fait des sutures en X ou des surgées. Comme le vagin est édémacié, souvent, c'est des points qui lâchent et que les patientes ils saignent secondairement. Et donc, de préférence, il faut faire des points solides, séparés. Et pourquoi? Parce que souvent, la vascularisation, au cours de la grossesse, bien sûr, il y a des anastomoses, des ramifications entre les artères iliaques externes et internes, les mésentériques inférieures, sacrées et lombaires. Et surtout, en cas de placenta previa ou accreta, donc on a même des vaisseaux, ça vient un peu de partout. Les anastomoses, ça vient un peu de partout. C'est pour cette raison qu'il faut donner beaucoup d'importance à la ligature, la fermeture du vagin. Donc, nous, on ne fait pas de ligature pendant l'hystérectomie. Donc, on saute d'abord l'utérus, on laisse les pinces sur les ligatures, exactement par crainte. Donc, on va faire les points tranquillement, en double ligature. Il y a même des gens qui font des ligatures avec les machines de Kobayashi. Souvent, quand la femme est saine, exactement, donc c'est le risque de CIVD, vous savez. Donc, la CIVD, il faut se compter la femme est saine abondamment. Il ne faut pas hésiter à parler avec l'anesthésiste, de commencer à perfuser du plasma frais. Et bien sûr, il faut maintenir avec des serviettes. Vous avez vu que le point, on ne pouvait pas faire des points, même avec la coagulation ou même avec les points X. De préférence, il faut faire une compression, le temps de sauter les tuberos, parce que ça ne sert à rien. C'est des trous. Donc, il n'y a pas un truc, on ne peut pas. Le placenta, il est friable. Et bien sûr, lancer un bilan TP et fibrinogène. Bien sûr, pour la CIVD, ne pas oublier, souvent, quand on est coincé, comme dernier recours, bien sûr, il n'y a pas la même, n'oubliez pas le nouveau Seven, l'avoir toujours à côté. Donc, en conclusion, je conclue, je n'étais pas trop un peu respecté au milieu des temps. Donc, la morbidité maternelle reste importante, que le traitement soit conservateur ou radical, que les complications du traitement radical sont. Sont nombreuses, à savoir surtout la transfusion ou bien les plis vésicales, que des études complémentaires comprenant plusieurs centres et de critères. Tout à l'heure, on parlait avec professeur Madassi, elle m'a dit qu'elle avait elle aussi une série importante de placenta percreta et de préférence, on va travailler même avec Farah, on a déjà discuté. De préférence, il faut uniformiser les conduites et les protocoles pour qu'on puisse gérer ce fléau-là. Et je vous remercie.